Voilà. Laissez les paupières se fermer. Il y a tant de chemins possibles, tant de chemins qui s'offrent à nous lorsque les paupières se ferment paisiblement, comme ça. Des chemins vers tout à l'heure, vers ce soir, vers demain ou vers le grand avenir. Et bien sûr, il y a des chemins vers hier, avant-hier, et il y a très longtemps. Des chemins vers les temps de l'enfance. Et pour que nous soyons emportés sur ces chemins de l'enfance, il suffit d'un rien. Un parfum de cannelle ou de fleur d'oranger, le goût d'une confiture dans la bouche, une petite musique de boîte à musique, ou tout simplement parfois, une voix qui dirait « Il était une fois ». Et aussitôt, le vent nous emporte et nous fait voler à travers le temps passé. Nous remontons les jours, les semaines, les mois, les années. Comme si tu étais à nouveau enfant, comme si on te racontait une belle histoire et que les paupières devenaient lourdes et alors tu te laisses partir tout doucement au pays des rêves. Il était une fois, dans un pays lointain, oui, dans un pays lointain qui existe peut-être. Laisse-moi te raconter cet endroit. D'abord, il y a une colline. Et au sommet de la colline, un château. Tu sais, un château avec de hautes murailles et des tours et un pont-levis et une immense porte et des gardiens partout. Au pied de la colline, il y a un village fait de petites masures de bois. Et partout autour, une immense forêt, très dense, très sombre et très profonde. Au sommet de la colline, dans le château, vit un roi très méchant, ou plutôt égoïste, très égoïste, un roi qui ne prend pas soin de son peuple. Son épouse, la reine, est aussi très égoïste, et le peuple du royaume souffre beaucoup de l'indifférence de toute la famille royale et de la cour. Le roi oblige en effet les paysans à lui donner une grande partie de leur récolte, il oblige les éleveurs à lui donner de nombreux poulets et de nombreuses têtes de bétail, et le peuple, qui a déjà du mal à survivre, ne sait plus comment nourrir les enfants, tandis que là-bas, en haut, le château du roi regorge de victuailles. Quand on marche dans les ruelles du village, entre les petites maisons de bois, on entend souvent pleurer les mères. Elles pleurent de désolation, de tristesse, de désespoir. Les enfants aussi sont tristes et ils ont faim. Les hommes travaillent dur toute la journée et tard encore lorsque la nuit est tombée. C'est un peuple très pauvre et très triste. Et puis il y a la forêt. Il faut que je te parle de la forêt, parce que au plus profond de cette forêt-là, il y a une vieille masure de bois dans laquelle s'est retirée, il y a longtemps, une vieille femme. Alors on peut se demander ce qu'elle fait là, toute seule, dans une forêt si sombre. Pourquoi ne vit-elle pas dans le village avec les autres ? Eh bien, c'est parce qu'elle fait peur aux autres. Oui, elle,
Elle fait peur comme fait peur ce qui est différent de nous, tu comprends? Elle n'est pourtant pas méchante, hein, cette vieille femme, mais les gens disent qu'elle a un regard étrange, qu'elle fait de la magie, qu'il ne faut pas s'approcher d'elle. Même les hommes qui vont chasser dans la forêt ne s'approchent jamais de Saint Masure. Alors, est-ce qu'elle fait vraiment de la magie? Est-ce qu'il faut croire à ce genre de choses? Et puis, la magie est-elle toujours mauvaise? Peut-être que si nous interrogions le vent, il nous raconterait. Peut-être que si nous demandions aux grands arbres de la forêt, il nous confierait des secrets. Moi, j'ai interrogé le vent et j'ai écouté les grands arbres de la forêt se confier à moi. Et voilà ce qu'ils m'ont raconté. Le soir, avant la tombée de la nuit, la vieille femme emporte une écuelle et une lampe à huile et elle quitte sa demeure. Elle marche dans la forêt sombre en direction du village. Et quand elle arrive au village, la nuit est tout à fait installée. On ne voit que des ombres, parfois une pauvre lanterne. La vieille femme parcourt les ruelles étroites en écoutant attentivement. Tu sais ce qu'elle écoute? Elle écoute les larmes des mères derrière certaines portes. Et lorsque derrière une porte, elle entend pleurer une femme, elle toque à la porte. Toc, toc, toc. La porte de la misérable demeure s'ouvre et la mère a d'abord un sursaut de frayeur. Que fais-tu là, vieille sorcière? N'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Je suis juste venue chercher tes larmes. Je t'ai entendu pleurer. Et elle lui tend l'écuelle. Tiens, tiens, pleure dans mon écuelle. Pleure encore et encore, pleure. Pleure toute la tristesse de ta vie. Pleure tes peines, tes chagrins. Pleure toutes tes peurs, tes désespoirs. Pleure toute l'histoire de ta pauvre vie. Laisse les larmes sortir de toi comme si tu abandonnais ta douleur et ta tristesse dans mon écuelle. Alors, davantage pour se débarrasser de la vieille femme que parce qu'elle croit à ses sornettes, la mère prend l'écuelle et elle pleure et elle pleure encore et encore. Ses larmes de tristesse et de désespoir tombent dans l'écuelle et lorsqu'elle cesse de pleurer, la vieille femme lui sourit et reprend son écuelle. Et elle s'en va dans la nuit, vers une autre demeure, vers une autre porte derrière laquelle pleure une autre femme. Voilà à quoi la vieille femme passe ses nuits. Elle parcourt les ruelles de ce village et recueille toutes les larmes des femmes tristes. Et puis, dans la nuit noire, avec sa lampe à huile comme seul guide, elle s'enfonce à nouveau dans la forêt et regagne Saint Masure. Tu dois te dire que cette histoire est bien étrange, n'est-ce pas? Le vent qui me parle et les arbres qui murmurent à mes oreilles me racontent des choses si curieuses parfois. Mais attends, l'histoire n'est pas finie. Tu te demandes tout de même pourquoi cette vieille femme agit ainsi. Pourquoi passe-t-elle ses nuits à recueillir des larmes de tristesse et de désespoir dans son écuelle? Écoute la suite de l'histoire. Lorsqu'elle rentre dans sa masure, la vieille femme met un peu de bois dans la cheminée pour réveiller les braises. Puis, elle sort ce qui lui reste de farine et elle mélange la farine aux larmes pour faire une pâte qu'elle pétrit longtemps avant de la laisser gonfler près du maigre feu. Et quand la pâte a bien gonflé, alors il est temps de la cuire. C'est lorsque le jour se lève que le pain est cuit, bien chaud, bien doré, bien odorant. Alors la vieille femme l'enveloppe dans un torchon et quitte à nouveau sa masure. Elle traverse la forêt,
Elle traverse le village et malgré ses vieilles jambes fatiguées, elle se met à gravir la colline en direction du château. Arrivée devant la porte immense, elle se courbe encore davantage devant les gardiens qui se moquent d'elle. « Que veux-tu, la vieille? Que fais-tu là ?» Et la vieille femme de répondre « J'apporte à notre bon roi un pain tout chaud que j'ai fait cette nuit. » La consigne que le roi a donnée à ses gardiens, c'est de ne laisser entrer que des paysans ayant quelque chose à offrir. Alors les gardiens laissent entrer la vieille femme et la vieille femme pénètre dans la grande pièce où sont réunis le roi, la reine et tous leurs invités. Elle se courbe encore davantage comme pour faire une révérence et tend le pain au roi. « Oh mon bon roi, voici un pain tout chaud que j'ai fait cette nuit pour vous. Je vous remercie d'accepter ce modeste présent. » Le roi, indifférent à la vieille femme, regarde le pain bien doré et si odorant et s'en empare en faisant signe à la vieille femme de se retirer. Et puis il rompt le pain, il coupe des tranches qu'il offre à la reine et à tous ses invités et il mord alors dans le pain tout chaud, ne sachant pas que c'est un pain de larmes. En quelques instants, il se passe alors quelque chose de très étrange. Les rires et les cris orgiaques cessent. On entend les premiers pleurs. Les larmes montent aux yeux du roi, de la reine et de tous les invités et les pleurs deviennent de plus en plus forts. Tout le monde se met à pleurer. Et tu sais pourquoi tout le monde pleure ? Parce que chacun est en train de vivre ce que vit le peuple. Le roi, la reine et chacun des invités ressent la tristesse des mères, le désespoir des mères, les peurs des mères, le désarroi de tous les petits-enfants. Les larmes qu'ils versent sont les larmes de toute la pauvre vie de chaque mère du village. Et ces larmes coulent et coulent et coulent longtemps. Il se passe alors encore quelque chose de très étrange. Quand le roi, la reine et tous les invités se voient dévastés par une si profonde tristesse, le roi ordonne qu'on charge des chariots de nourriture, beaucoup de chariots avec beaucoup de nourriture. Et quand les chariots sont chargés, alors le roi et la reine marchent devant les chariots et tout ce cortège inhabituel descend de la colline et s'arrête au milieu du village. Tous les paysans sortent alors de chez eux craignant le pire et ils voient alors le roi se mettre à genoux et demander pardon et inviter chacun et chacune à venir se servir de la nourriture dans les chariots. Tu imagines la stupeur de tous ces pauvres gens, tu imagines soudain les larmes de joie qui montent à leurs yeux, des larmes de joie et d'émotion, cette fois une émotion tellement puissante qu'il flotte alors sur le village comme une poche de gratitude, une enveloppe de bonté qui réunit le roi, la reine et tous leurs sujets. Évidemment, les temps qui suivent cet événement ne ressemblent en rien aux temps anciens de désespoir. Tout cela parce qu'une vieille femme, un jour, une nuit, a pétri un pain de larmes. Est-ce que c'était de la magie ? N'y a-t-il pas toujours un peu de magie dans la légèreté et la liberté qui nous habitent lorsque, avec des mots et des larmes, nous faisons sortir ce qui nous a fait si mal? Allez, laisse-toi à nouveau planer sur les ailes du vent. Laisse-toi flotter sur les années, les mois et les jours qui te ramènent juste au-dessus de toi. Tu regardes ton corps allongé au-dessous de toi et tu ressens soudain une telle amitié, une telle tendresse pour ton toi tout entier. Alors tu te glisses en toi et tu te fais la promesse d'habiter désormais jour après jour ce corps, ces pensées et cette vie plus amicalement, plus affectueusement, plus
respectueusement. Ensuite, c'est toi et toi seul qui laisse doucement les paupières choisir elles-mêmes le moment où elles voudront très très lentement s'ouvrir à nouveau parce que tout va bien.